Bonjour les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Moi je vais très bien et oui, j'ai changé de manette. Il est temps de retourner sur Assassin's Creed. Bonjour les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour accueillir cette nouvelle vidéo sur... Putain. Bonjour les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour accueillir cette nouvelle vidéo sur Prince of Persia The Lost Crown. Et oui, j'ai changé de manette. Oui, on recommence parce que j'ai hâte de continuer. Et je suis vraiment dégoûté parce que ma manette, finalement, elle n'avait quoi, un mois et demi, deux mois maximum, et elle est morte. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la manette ou si c'est le câble. Heureusement, c'est un câble qu'on peut enlever de la manette. Donc, il y a peut-être moyen que ça soit juste les fils dans le câble qui sont un peu morts et donc il y a des faux contacts et que ça se passe mal. Je n'ai malheureusement qu'un seul câble pour cette manette, donc je ne pouvais pas tester. Mais du coup, j'ai eu une manette de remplacement en attendant. Et donc, maintenant, on enchaîne, bien évidemment, notre aventure. Donc, pour rappel, nous sommes tombés sur une sorte de boss, là, juste ici, qui a l'air d'être assez badass. On va voir ça tout de suite, hein. On va essayer de peut-être trouver un arbre un peu plus proche que ça. Je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait un qui soit un peu plus proche que ça, parce que si on doit se retaper à chaque fois le chemin comme ça, ça m'étonnerait un peu aussi. Donc on va voir ça. Let's go. C'est par ici, par là. Donc si jamais je fais des petits fails bizarres, c'est normal, c'est parce que bah du coup c'est le temps de m'habituer du coup à la nouvelle manette. Elle est un peu différente, elle a pas la même forme. Même si elle reste classique et donc du coup ça peut faire que je fasse des fails un peu idiots. Voilà, vous allez voir ça, on verra ça et ça se trouve ça ira très très bien. Merde, bah voilà, déjà ça commence bien, j'ai failli mourir. Enfin j'ai failli tomber et me retaper tout le chemin après. Alors est-ce qu'il y aurait pas un petit... Oh bien joué ça, petit salopio. Mince. Ouais, petit salopio. Déjà le petit piège là, ça commence bien. Ah oui, d'accord, il y a des mines à nouveau. Ah oui, c'est... Bien fait. Allez, boum, bien fait. Et boum. Bon, si tu pouvais mourir, ce serait bien. Oh non, mais sérieux. Il va mourir ou quoi, là? Ah ouais, quand même! Mais il est résistant, hein! Avec toutes les... Vous avez vu toutes les mines qui se prend? Et il meurt pas. Oh. Mais par contre, s'il pouvait arrêter de se cacher... Je ne sais même pas comment ils font pour se cacher dans des cartons... Enfin, c'est pas des cartons. C'est des sortes de caisses en bois. Je ne sais pas comment ils font pour se cacher dedans. C'est juste pas possible, en vrai. Enfin, en vrai, ok, nous sommes dans un jeu, mais... Enfin... Restons un minimum réaliste, les mecs ils sont cachés dans des... Dans des boîtes... Des boîtes comme ça là. Enfin... What? What the fuck? Abusé. Bon allez, remonte. C'est pas grave, on se concentre. Maintenant on sait qu'ils sont à peu près cachés là dans le coin là. On va le faire. C'est un peu chiant. Un peu chiant, je vais pas vous le cacher. Voilà, là il y en avait un. Et boum! Voilà, let's go! Il y en a un au-dessus. Oh, bordel. Ah. Allez, dégage. Voilà. Non, mais... Ok, boum! Let's go! Voilà, cette fois-ci, tu mourras pas, mon pote. Mais bon, 50 fois... 50 fois, oui, mais pas 51. Allez, hop, par ici. Alors, logiquement, par là. Hop, hop, hop. Un arbre, parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Même si, finalement, il est quand même assez loin de là où je pensais. C'est pas forcément le meilleur arbre. Ok, je regarde quand même en termes d'efficacité. Après, ouais, c'est vrai qu'on a que à descendre... Et faire hop, alors que là, il faut se retaper tout ça et attendre que l'ascenseur monte. Donc en vrai, c'est quand même plus rapide. D'accord, il y a un truc à casser dedans. C'est tendu ce que j'ai fait là. C'était très tendu. J'aime vivre dangereusement. Là, ils disent qu'il y a un truc de caché au-dessus. Ok.
Ah oui, là, je vois. Ok, c'est parfait. Je viens de voir. Allez, let's go! Hop, hop, hop! Et le transport rapide pour Bibi! Ça fait plaisir! Vraiment, ça fait plaisir, là. On a le transport rapide. Nous avons l'arbre juste ici. On va aller se faire les mecs, là, je pense. Là, c'est par ouest, tout droit. Ok. Enfin, on va essayer d'aller se le faire, parce qu'il a l'air d'être quand même assez badass, le gars, là. Il a l'air d'être quand même badass. Verret Traknard! Boum! Ok, il est mort. Il reste plus que. Let's go! Let's go! On l'a pas eu la dernière fois, on l'a eu cette fois-ci. Ça fait plaisir. Il fallait surtout se concentrer sur lui, et après ça passe tout seul. Ah oui, c'est que ça en plus! Ah ouais, vraiment? Ah, je suis un peu déçu, là. Ah, je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à... Ah, je sais pas, une amulette ou un emplacement d'amulette, quelque chose de plus... quelque chose de quand même plus intéressant que ça, en fait. Un peu déçu. Je reste un peu sur ma faim. Après, je sais pas combien on a eu, j'ai même pas regardé combien j'avais de cristaux juste avant de piocher, mais... Mais bon. Par contre, c'est un ennemi plutôt badass. C'était un ennemi plutôt badass, ça. T'arrêtes, oui. Voilà, je te calme. Quand même, ah, en vrai, c'est quand même pratique le fait que les cristaux, ils arrivent comme ça. C'est quand même plus pratique. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Tac, mince. Ok, alors, il y a l'arbre ici, donc soit on va là. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé ici? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé ici? Est-ce que c'était bloqué ou c'était par choix? Je ne sais même plus. En gros, ça nous permettrait de rejoindre cet endroit-là. Ouais, bizarre. On va essayer de remonter, on va voir ce que ça donne. On va essayer de remonter et on va voir ce que ça donne. Ok. Alors là, on peut casser ça ou pas? Non. Ah, ok. Ah, mais ça, c'est du coup, c'est dommage, ça. C'est-à-dire que ça se fait que de ce côté-là. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, ça sera pas de ce côté-là, finalement. Finaise, à chaque fois, je suis en mode, eh, bah, on va aller là. Bah, non. Non, 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 tu iras pas là, en fait. Le jeu, il dit, il va te faire foutre. Clairement, ok. Très, très bien. Bah, si c'est pas là, bah, on va aller de l'autre côté, y'a pas de problème. Pareil, c'est pas par ici. Ah d'accord, j'ai compris. Ah ouais, ok. Alors attendez, parce qu'il y a une salle au-dessus là. Enfin, en dessous, pardon. Ok. Ouais, tout ça pour des cristaux. Oh, c'était chaud ça. Oh, c'était tendu ça. Ouh, c'était tendu. Attendez. Ok, non. Je voulais juste voir si on pouvait aller là, mais non. Malheureusement, on ne peut pas. Ok. Ok. Attention, là, faut pas se presser. Non, mais... En plus, je dis ça, il faut pas se presser, je mets presque comme un con. Ok. Alright, parfait. Au moins, on va pouvoir passer directement ici. Alors, soit on passe au-dessus, soit on continue en dessous. Bah, je pense que je vais passer au-dessus, et puis on verra après en dessous. Oh, wow. C'est qui, lui? Ok, c'est un nouveau mec.
C'est un nouveau type d'ennemi. Je les connaissais pas ceux-là. Ah, eux je les connais par contre. Ah non mais... Enfin, je les connais, mais... voilà, eux, ils me connaissent bien aussi, hein. Ah, les enfoirés, bien joué. Ouais, on avait dit que là, on pouvait pas, c'est ça? On avait dit qu'on pouvait pas. Ah oui, parce qu'il faut casser de ce côté-là, ok. Ah ouais, ils me connaissent bien aussi, hein, les petits enfoirés, là. Bien joué. Bien joué à eux. Alors, du coup, bah là, on a au moins pas besoin de refaire tout ça. Parce que finalement on a ouvert le passage. Ça fait plaisir. Pardon. D'accord. Oh sérieux. Oh je vous jure. Non mais. Oh là là. Non mais... Sérieusement là? Ah là 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 là! Punaise! Ah, on est tombé sur une bonne zone bien merdique là, en termes d'ennemis là. Ah, c'est frustrant. Oula. Un qui balance des boomerangs, l'autre en même temps il te bute tout court à corps. Voilà, salut. Punaise, ils sont coriaces hein. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Ah, mais... Il me saoule. Non, mais attendez. Oh, sérieux. Allez, dégage. Oh, il va encore revenir. Évidemment. Oh, non. Non, mais... Oh, c'est pas possible. Ce qui est abusé, c'est qu'on a amélioré mes épées. Elles font normalement plus de dégâts. Mais j'ai pas l'impression. C'est horrible! Les mecs, il leur faut 50 milliards de coups pour les buter, quoi! Oh là! Oh, j'ai failli me faire avoir, là! C'est un truc de dingue! Ils sont hyper résistants, quoi! Je dois leur mettre au moins 7 coups, quoi! Voire plus! Allez, salut! Oh, y a un mec juste ici! Faut pas oublier! Voilà, pourtant j'ai appuyé sur la parade, évidemment. Non mais... Allez, dégage. Ils sont chiants. Vraiment, ils sont chiants. Allez, c'est bon. Ok, par là. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas par ici. Oh non, ils vont pas être deux en même temps quand même. Ah bah si, évidemment. Ah non, c'est bon, il vient pas. Alléluia. T'es sûr qu'il y avait un piège comme ça? Bon, si tu pouvais... hein, voilà, merci. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok, un coffre. Une mimique. Une blague.
C'est une blague, là. C'est une mimique. Et ils sont... Ils ont cru en... Mais... Il va mourir ou... Objet de valeur obtenu, pétale de l'arbre Soma, 4 pétales sur 4. La mimique dans un jeu Ubisoft. Bravo, bravo à vous, Ubisoft, vous avez encore une fois copié les jeux, ok, ils ont un peu copié sur tout le monde là, Ubisoft, non? C'est abusé. Alors, ça me fait rire, hein. Mais j'avoue que c'est un peu abusé, là. Là, c'est un peu copié-collé sur tout le monde. Voilà, quoi. Je vais pas dire, mais c'est peut-être un peu abusé, là. Un peu beaucoup trop, peut-être. Ouais, hein. Non ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gens ? Mais moi, je trouve que... trop de copies. Tu la copies ? Peut-être ? Alors, on peut aussi aller en bas à gauche. Il y a un truc en bas. Allez, dégage. Eux, en vrai, il faut vraiment faire parade. Je pense que là, j'ai pas le choix. Faut vraiment que j'apprenne à les parer. Oh bien. Allez, hop, voilà. Nickel. Le gang est terminé. Il est où le deuxième? Ah, je les ai tués tous les deux. Ah, mais nickel. Voilà, bah tout ça pour des cristaux. Bon, après, c'est mieux que rien. Hein. Let's go. Ouais, par là. Oui, si, par là, toujours. Punaise, c'était dur. Là, c'était vraiment tendu. Vraiment, c'était tendu. D'accord. Bien joué, ça. Moi, je suis certain, il y a un truc au-dessus. Et comment y aller, ça c'est autre chose. Ah oui, là. Ouais, enfin. Non, mais. Je pense qu'il faut un double saut pour ça. En vrai, je pense qu'il faut le double saut. Parce que sinon, c'est trop haut, en fait. En vrai, c'est un peu trop haut pour que je puisse y arriver comme ça. Je pense qu'il nous faudra encore autre chose pour y arriver. Très bien. Ouais, bah en vrai, il faudrait que je photographie comment on fait. Ouais. Je sais pas si ça sert vraiment, mais... D'avoir photographié ça comme ça, mais... Oula. Aïe. Oh. Ok, tu dégages. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un mec qui va me pop sur la gueule par les boîtes, là. Non ! Ah, ça m'étonne. Vraiment, c'est étonnant. Et là, il y a rien, là ? D'accord. Ouais, ok. Parce que c'est sévère. Ok. Non !
Ah bordel. Allez, on recommence tout. Je suis même pas sûr qu'on puisse, je puisse grimper parce que je pense que pas que j'ai toutes les compétences qu'il faut. Non, 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 mais... Oh, bordel de merde. Je pense que j'ai compris comment il faut faire. Voilà, comme ça. Wouh ! Allez, l'arbre, let's go ! Yeah ! Waouh ! Ah, ça devient tendu, hein. En vrai, ça devient tendu. Le parcours est de plus en plus exigeant et il faut en même temps penser aux ennemis. C'est pas facile. L'arbre Soma. Ok. Allez, dégage-toi. Ouais, on va passer là d'abord. Ok. Wow. Ok. Je les avais oubliés, eux. Je les avais vraiment oubliés. Ok, comme ça. Ok. Là, on peut aller au-dessus ou alors à droite. Et là, du coup, on est obligé de se retaper tout le chemin. Ok, comme ça. Ah, dommage, trop tôt. Ok. Vous pouvez aller à gauche ici. Il y a trop d'endroits où on peut aller en vrai. Qu'est-ce que c'est ? Objet de collection obtenu. La chute de la tribu Irsanienne. Qu'est-ce que c'est ? Là, il y a un truc caché, non ? Allez, tellement obvious ! Ok. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh, c'est quand même pas mal, on a quand même trouvé un passage secret assez facilement. Ça c'est cool. Donc après on va pouvoir descendre ici aussi si on veut. Et maintenant le truc c'est de monter. Ça va, il me reste encore des flèches. Aïe. Waouh. Et quand je vous dis que le parcours devient exigeant, je rigole pas. Hein. Ok. Waouh. What? Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu le truc? C'est quoi cet arbre géant là? Salut, hein. Je sais pas si je suis censé vraiment aller là, mais... Arbre Soma, nouveau lieu découvert. Je pense pas que je suis censé aller là. Stèle, la flamme éternelle, en tout cas pas tout de suite. Ouais, je pense pas que je suis censé aller là tout de suite. Moi je suis là, je me promène. Mais en même temps ils nous disent, trouver deux nouveaux pouvoirs de temps. Bah ouais, mais je veux bien. Mais je sais pas où chercher. On doit chercher quoi. Si je savais où il fallait te chercher, je dirais rien, mais là, je sais même pas où je dois aller chercher ce pouvoir du temps. Du coup, je suis un peu obligé d'explorer un peu de tout, quoi. Ok. Là, normalement, on va arriver de l'autre côté de là où on pouvait... Ah non, même pas. J'allais dire, on allait arriver de l'autre côté où on pouvait pas arriver, mais pas du tout, on est carrément encore autre part. Interagir. 10 flèches. Ah, c'est un arbre, ça ? Ah ouais.
Et lui, c'est quoi? D'accord, il a pas envie de nous parler en tout cas. Transporteur. Let's go. Ça fait plaisir. Le transporteur, ça fait plaisir. Bonjour. Boum! Ah d'accord, maintenant ils sont deux. Ok. D'accord. Alors, franchement, je pense pas qu'on est censé faire ça maintenant. Hein. Toujours pas. Hein. Mais bon. Ok, un de moins. Non mais par contre les deux en même temps... Ah mais... Vous voyez c'est ça que j'aime pas, on peut en parer un mais on peut pas en parer deux de suite. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pas réussir à en parer deux de suite. C'est fini? J'en pars un mais il y a le deuxième qui me tape en même temps donc en fait c'est pas du jeu, c'est... Enfin... Dans ce cas-là, je sais pas, il fallait mettre un tas en temps entre lesquels lui, eux, ils peuvent plus nous taper. Mais ils l'ont pas fait et du coup, bah, c'est assez compliqué, quoi. Enfin, limite impossible. Mais bon. Bon, finalement, je m'attendais qu'ils soient carrément 3 ou 4 après, mais heureusement, ce n'était pas le cas. Ils étaient 1 et 2 seulement. Du coup, bah, j'ai préféré utiliser mes compétences spéciales parce que sinon on allait devoir utiliser, enfin, faire ça pendant encore 200 ans. C'est pas forcément le but, surtout que comme je vous l'ai dit, le gong gratuit comme ça, c'est franchement pas ouf. Ok, là on peut passer. Oula. Ça on peut pas le casser. Ok, ça on peut le casser par contre. Grâce aux explosions. Et le jour où on pourra prendre ces trucs là et les balancer, je pense que c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir y arriver. Mince. Oh non. Bon, c'est pas grave, tant pis. Dans tous les cas, je pense pas que c'est ici qu'on trouvera quoi que ce soit. Alors, réfléchissons où est-ce qu'on peut trouver quelque chose, quoi. Est-ce qu'on doit trouver des pouvoirs du temps? Mais je sais pas où chercher. Je ne sais pas où chercher. Je pense qu'on va revenir au refuge. Et on va essayer de descendre avec l'ascenseur. Voir où est-ce qu'on peut arriver avec ça. Mais j'avoue, je commence à un peu ne pas comprendre où est-ce qu'on est censé aller, quoi. Parce que il y a trop d'endroits et ils nous disent juste de trouver des pouvoirs du temps. Bah ouais, mais... Ça peut être n'importe où. Descendre, parfait. Ça peut être n'importe où. Ok, là, y a rien. À droite, par contre, il y a un truc. Ah ouais, on peut pas. Ok. On est obligé de... Il y a une animation, on peut pas faire comme on faisait d'habitude. À moins que...
Attendez, je réfléchis. Si, je sais ce qu'on peut faire. On va voir si le pouvoir il fonctionne ou pas. Il faudrait faire ça. Ah mais attendez, non, on peut directement faire comme ça en fait, je suis con. Les profondeurs, oui, pardon. C'est parce qu'il y a deux étages. Ok, on peut aller à droite du coup, et sinon on peut surtout casser le passage ici. Enfin, le passage, le casser non, mais c'est voilà, c'est pour arriver jusqu'au collectionneur. Et là, on peut passer aussi. Et on arrive... ici. Ok. Très bien. On va remonter. Et on va aller à droite. Voilà, ici, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Hein. Bah, citadelle. Voilà. Ok, à quoi ? Nouvelle amulette obtenue. Augmente légèrement la progression de la jauge d'attrape pour chaque parade réussie. Pas mal. C'est comme l'autre truc pour les... chaque attaque réussie ou je sais plus quoi. Ouais, là il nous faut... là, il nous faut le double saut. Donc on est encore une fois coincé. Très bien. On peut aller là? Ah, ça veut dire qu'on a assez de fragments, c'est ça? Attendez. Quête. 0 sur 5. On peut avoir une amulette. Prophétie du bon caf. Une fois trop longtemps. Nanana. 0 sur 5. Est-ce qu'on en a 5 à nouveau, c'est ça? C'est peut-être pour ça qu'ils nous disent d'aller là? Bah, citadelle. On va aller voir ça. Yep, c'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Parce que tout à l'heure... alors il nous disait pas d'y aller, alors que là ils disent d'y aller. Je suis pas sûr qu'on ait assez. Je suis pas du tout sûr. On va vérifier ça tout de suite. Et elle, je vais lui demander un indice, je pense. Salut Sargon. Acheter un indice. Acheter un indice. Tu cherches quoi cette fois? Je dois aller au gouffre des sables sans fin. Voilà. J'ai déjà vu l'entrée. Le Simorgue bloque le passage avec sa patte depuis des milliers d'années. Ok. C'est un des seuls endroits où j'ai jamais réussi à rentrer. Ok. On doit pouvoir briser les sceaux magiques avec le pouvoir... J'en ai déjà trouvé quelques-unes. Pas mal. J'en ai vu une dans l'endroit le plus secret des archives sacrées. Ok. Il y a quelques passages un peu tordus. Il faut bien se creuser la tête. En plus, il y a l'autre excité là qui veut pas te lâcher. Et j'ai vu une autre plume. Loin, loin, loin dans la forêt. Loin, loin, loin dans la forêt. Tu peux y accéder par un passage secret. Au sommet du port noyé. Elle était si paisible, cette forêt. Jusqu'à ce que cette femme étrange arrive. Tout. Je sais pas quelle plume tu as déjà. Ok. Il y en a quand même une dans la forêt. Loin, loin, loin dans la forêt. Donc là. Ou alors là. Mais on va peut-être plutôt se dire que c'est ici. Voilà, ici, là. Et sinon, donc, dans le passage le plus secret. Ok, en plus, je me suis dit, est-ce qu'on y va et tout, parce qu'on a la clé maintenant pour y accéder. Bon, on va déjà aller récupérer les archives. Enfin, essayer de voir avec le Moncaf, là. Tu ne peux pas avoir un petit bloc de santé de plus. Allure. Ok. Moi, une jarre. Ah, juste une jarre. Bon, bah, laissons tomber. On se dit que c'est bon, ça passait. Bah, pas du tout. Bon, bah, on n'a plus qu'à remonter. Let's go. Donc, les archives. C'est parti. Les archives. Donc, c'est là. C'est bien ce que je pensais. Alors, par contre, pour y arriver... ouais, ok... bon, je pense qu'on va prendre ce transporteur là, c'est ce qu'il y a de plus logique. C'est plus logique, vraiment. Et maintenant, grâce au pouvoir que j'ai eu, en fait, on va pouvoir faire les picots bizarres là. Il y avait ici, là aussi. On peut faire pas mal de choses maintenant. Alors, les archives sacrées, boum. Let's go! On va y arriver. Petite goutte d'eau avant de continuer. Alors, est-ce qu'on passe au-dessus? Déjà là, il y a un truc qui bloque, mais bon.
Le truc le plus secret, donc je suppose que c'est peut-être ça. Oh ! Ah, bien joué, ils ont pensé à tout. Ok, ensuite, t'es encore plus bas. Et plus bas encore. Et salut. Boum. Ok, c'est bon. Alors, descendre. Voilà. Maintenant, nous avons la clé. On va pouvoir passer. Bah, dès que ce mec-là sera mort... Voilà, merci. Quoi ? J'ai la clé, non ? C'est pas ça ? C'est pas ça la clé ? Donne accès à un étage dérobé dans l'ascenseur de la citadelle. Ah, c'est ça ! Ah mince, je croyais que c'était ça, moi. Ah ouais, d'accord, mais pas du tout, en fait. D'abord un horrible cri, puis un éclat aveuglant, et depuis le silence. Ah ouais, d'accord. Bah j'ai pas du tout compris le bon endroit en fait à la base. Ouais, par contre je sais où est-ce qu'on peut aller maintenant. Ouais bah par contre on va devoir tout remonter là. Oula, qu'est-ce que tu fais là toi? Allez salut. Mince, dommage. Je vais y arriver, vous inquiétez pas les gens, j'ai juste du mal avec le parcours, vous connaissez. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez tout ça. À quel point j'ai du mal avec le... Merci quand même, ouais, ça serait bien, ouais. J'étais en plein dessus, ça ne voulait pas. Très bien, alors maintenant, donc à droite, hein. Non, comment on fait pour l'enlever? Oui, voilà. À droite. Ouais, salut. On va quand même récupérer les cristaux. Ok, par là. Pas du tout ce qu'il fallait. Hop, let's go. Ramasser. Objet de collection obtenu. Note épinglée sur une pierre en forme d'œil. Le geôlier est aveuglé, la clairvoyance est la clé. D'accord. Le geôlier est aveuglé, la clairvoyance est la clé. Eh bien, c'est pas là déjà. D'accord. Descendre ou monter? On va descendre, non? Pourquoi j'ai fait ça? Effacer l'image.